I request protocol to escort His Excellency, President of the Democratic Republic of Congo, to invite him to address the General Assembly. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune pour faire entendre la voix de mon pays, la République démocratique du Congo sur les principales questions qui préoccupent au plus haut point la communauté internationale actuellement. Monsieur le Président, je voudrais néanmoins, avant toute chose, vous féliciter pour euh, votre élection à la présidence de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je suis convaincu que vous donnerez le meilleur de vous-même pour la réussite de cette session et vous garantit tout le soutien de mon pays. Monsieur le Président, les défis majeurs auxquels l'humanité fait face actuellement sont les suivants. La sécurité et la paix pour tous, la maîtrise des changements climatiques, la relance de l'économie mondiale après la COVID-19, la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être collectif. Ces principaux défis sont complexes et intimement enchevêtrés. Conscient de cette réalité, je salue le choix judicieux et la pertinence du thème central de ces assises, à savoir un tournant décisif des solutions transformatrices face à à des défis intriqués. A l'évidence, le relèvement de ces défis exige plus de confiance. Le maintien de la paix et la sécurité internationale constituent